N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Des manifestants qui quand même ne sont pas tout à fait des manifestants pacifiques comme on voudrait les présenter. Hein. Ce sont des gens casqués, même armés, puisque aujourd'hui il y a 79 policiers qui sont blessés par balles ou par éclats de grenades. The primordial interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the First, Second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. What you do, if you're Ukrainian, is essentially reach out to the only country that will help you, which is the United States. Last week, 10 days ago, General Hodges, commander of U.S. Army Europe, visited Ukraine. He announced that U.S. trainers would now officially be coming, not just unofficially coming. He actually pinned medals on Ukrainian fighters, which by protocol of the military is not the way. Foreigners don't get to pin on. Les médias ne nous ont pas informés sur ce conflit. Ne nous informe pas sur ce conflit. Ils font de la propagande. Elle doit disparaître, la France. Ils étaient très énervés, ces propagandistes, par les récentes livraisons. On les écoute. Vous avez, dans les médias francophones, les médias sont extrêmement partiaux. Je pense que la presse francophone, ou les médias francophones dans leur ensemble, je pense, peuvent facilement être qualifiés de propagandistes. Du côté américain, même des médias comme le New York Times, The Washington Post et d'autres médias ont des regards qui sont très anti-russes, mais qui sont quand même plus nuancés sur les événements et qui nous donnent des aperçus qui montrent qu'on n'est pas dans le noir-blanc. Le pire est une paix imparfaite qu'on essaie de vendre, et je comprends la crainte des Ukrainiens, qu'on essaie de vendre une paix à tout prix, une paix imparfaite. Mieux vaut une paix imparfaite que la guerre, parce que nous savons tous que une paix imparfaite, c'est une trêve. La guerre suivante. Et on relancera la guerre au tour suivant. Je pense que les Occidentaux ont été de très mauvais conseils pour l'Ukraine, et n'ont pas servi les intérêts de l'Ukraine. Ils ont servi d'autres intérêts, mais pas ceux de l'Ukraine. Et en cachant les morts, on a poussé au contraire l'Ukraine à persévérer dans des voies qui étaient erronées au sens militaire du terme, donc des fautes opératives, des fautes qu'un militaire ne ferait jamais, mais on les a confortés dans cette voie-là. Et on a laissé les Ukrainiens, si vous voulez, imaginer que cette voie était celle qui allait assurer en définitive leur succès, parce que grâce à ça, ils ont le soutien des Occidentaux, grâce à ça, ils obtiendront la défaite de la Russie, et grâce à la défaite de la Russie, ils auront finalement tout ce qu'ils espéraient de l'Occident. La situation dans le Donbass reste tendue, alors que les forces russes concentrent tous leurs efforts sur la ville de Soledar, point stratégique pour la défense de Bakhmout. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien a exprimé sa confiance dans l'armée ukrainienne, qui est capable de résister et libérer, selon lui, toutes les régions occupées par Moscou. Plusieurs maisons du village de Mospanovie, tout proche, ont été endommagées par les récents bombardements. Les résidents ont investi leur sous-sol et leurs caves. Malgré les dangers, les habitants partis au début de la guerre reviennent petit à petit dans le village pour restaurer les habitations et les infrastructures endommagées.
Les forces ukrainiennes face aux violents assauts russes à Soledar, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Les soldats tiennent bon et ont gagné du temps supplémentaire pour l'Ukraine, dit Volodymyr Zelensky. Mais selon le renseignement ukrainien, Moscou pourrait renforcer ses troupes avant la mobilisation de 500 000 conscrits dans les jours qui viennent, avec la mobilisation de 500 000 conscrits. Dans ce contexte, les chars AMX 10RC promis par Paris seront les bienvenus. William Molinier, les détails de ces livraisons devraient être décidés dans les jours qui viennent. Oui, selon nos informations, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu va s'entretenir au téléphone cette semaine avec son homologue ukrainien Oleksiy Reznikov. Ils doivent préciser le nombre et la date de livraison des AMX 10RC. Une piste de travail évoque une première salve d'une dizaine d'unités pour arriver à une trentaine dans les tout prochains mois. Deux facteurs pourraient faire évoluer cet ordre de grandeur. Tout d'abord, la capacité de formation des soldats ukrainiens. Pour un conducteur aguerri de blindés, le temps d'apprentissage sur ce nouvel engin est d'une semaine à 10 jours. Autre paramètre de l'équation, l'impact que cela pourrait avoir pour l'armée de terre française. Des AMX 10RC sont encore déployés dans certains régiments de cavalerie, peu à peu remplacés par des Jaguars, des blindés de dernière génération ultra connectés. Les livraisons ne dépasseront pas le rythme de renouvellement, rassure-t-on dans les armées. 38 Jaguars ont déjà été livrés à la Direction générale de l'armement, dont 18 l'année dernière. 22 doivent l'être d'ici à la fin de l'année. La Hongrie, mais surtout la Turquie, continue de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Ankara réclame de ces deux pays une plus grande coopération en matière antiterroriste. En d'autres termes, la Turquie souhaite que Stockholm et Helsinki leur remettent des opposants politiques, dont des militants kurdes. Réponse du Premier ministre suédois, la Turquie veut des choses qu'on ne peut pas lui donner, en référence notamment au journaliste Bülent Kenesch, que la Cour suprême suédoise a refusé d'extrader en décembre. Le secrétaire général de l'OTAN a évoqué le sujet ce dimanche en Suède. Je ne garantirai pas la date exacte du feu vert turc parce qu'il s'agit bien sûr d'une décision souveraine du Parlement turc et du Parlement hongrois, car deux parlements n'ont pas encore ratifié. Mais j'espère que ça arrivera en 2023 et je continuerai à travailler pour la ratification par ces deux parlements. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Suède et la Finlande ont rompu avec des décennies de non-alignement et ont manifesté leur volonté d'intégrer l'OTAN. Rentrée parlementaire au Capitole des États-Unis. Ce lundi, les 435 élus de la Chambre basse étaient de retour au travail. C'était une procédure interminable et nous sommes très heureux de pouvoir enfin nous mettre au travail. C'est un moment de défi pour la démocratie américaine. Il y a des dossiers qui ne peuvent plus attendre. Alors que l'élection du président de la Chambre est habituellement une formalité, cette année, une vingtaine d'ultra-conservateurs a choisi durant 4 jours de bloquer le scrutin. Marjorie Taylor Greene, proche de Donald Trump, n'a pas opté pour le blocage, mais défend néanmoins la stratégie de la vingtaine de frondeurs. Je suis impatiente de me mettre au travail. De la même manière que vous avez vu une vingtaine d'élus imposer leur volonté au Congrès, c'est comme ça que nous devons nous battre pour chaque projet de loi qui concerne ce pays. On doit faire voter des lois conservatrices, réduire les dépenses et régler les nombreuses crises auxquelles notre pays fait face, l'immigration, l'inflation, le prix du carburant, le crime, tout ça. Et c'est pour cela que les Américains nous ont élus. Ils nous ont donné ce pouvoir. Avec presque une semaine de retard, le 118e Congrès des États-Unis a donc effectué sa rentrée. 2 jours comme 2 nuits, les manifestants pro-démocratie sont descendus dans la rue pour condamner les saccages des lieux du pouvoir par les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro. Ces personnes doivent être punies, leurs leaders doivent être punis, ceux qui leur donnent de l'argent aussi. Nous avons vécu le pire moment de notre histoire depuis le coup d'État de 1964 qui a établi la dictature. Au lendemain de l'assaut ce lundi, l'heure est à la reconstruction. Lula s'est remis au travail. Entouré des gouverneurs du pays, le président brésilien a tenté de rassurer. Nous n'allons pas permettre que la démocratie nous échappe. Je veux vous rendre ce pays dans un meilleur état que le pays que j'ai reçu et avec une démocratie beaucoup plus consolidée. À la nuit tombée, cette image symbolique sur la rampe du palais du Plan Alto, siège du gouvernement.
le chef de l'État soutenu par le pouvoir politique et judiciaire de son pays, faire bloc dans un Brésil plus que jamais divisé. Le sommet des dirigeants d'Amérique du Nord à Mexico, rencontre entre les présidents des États-Unis et du Mexique, avec également le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il va être beaucoup question d'immigration. Et malgré leurs efforts pour afficher leur bonne entente, les tensions ont déjà affleuré lorsque le président Obrador a demandé à Joe Biden d'en finir, je cite, avec le dédain envers l'Amérique latine et les Caraïbes. Des dizaines de milliers de catholiques philippins ont participé à la première marche de la foi ce dimanche à Manille, avant la fête annuelle du Nazaréen noir. Apportée aux Philippines en 1606 par des missionnaires espagnols, la statuette en bois sombre représente le Christ marchant vers sa crucifixion. Beaucoup de fidèles la considèrent comme miraculeuse, étant donné qu'elle a survécu à deux incendies, deux séismes, de nombreux typhons, ainsi qu'à des bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Cette procession annuelle est l'un des événements religieux les plus importants d'Asie. Cette année, les célébrations sont particulièrement attendues après 3 ans de pandémie. Les migrations et l'économie sont les deux grands thèmes abordés ce lundi à Rome lors de la rencontre entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni. L'une des grandes priorités de l'Italie est de faire en sorte que le pacte sur les migrations figure en tête de l'ordre du jour européen, d'une manière qui convienne mieux à son pays. L'Italie a introduit un code de conduite pour les navires des ONG opérant en mer Méditerranée et souhaite une répartition plus équitable des migrants sur le continent. L'Italie veut jouer un rôle plus actif en Europe en matière de migration et en réussissant là où d'autres gouvernements ont échoué. En d'autres termes, l'Italie veut qu'on se souvienne d'elle comme du pays qui a réussi à changer les choses une fois pour toutes. Autre sujet sur la table, le fonds de relance européen de l'Italie. Rome veut introduire des amendements au paquet qui a été signé par son prédécesseur Mario Draghi, afin de faire face aux défis économiques que la guerre en Ukraine a causé. En jeu, plus de 191 milliards d'euros. Le gouvernement italien a proposé une révision globale de la gouvernance du plan, en d'autres termes, de la manière dont le plan est géré ici à Rome. Mais pour ce faire, le gouvernement italien doit demander l'autorisation de la Commission européenne. Et c'est quelque chose dont la première ministre, Giorgia Meloni, et la présidente de la Commission européenne ont discuté. Pendant son séjour dans la capitale italienne, la présidente de la Commission européenne a également rendu hommage à l'ancien président du Parlement européen, David Sassoli, décédé l'année dernière à la même époque. Un Iranien de 32 ans, soupçonné de préparer un attentat islamiste à l'aide de cyanure et de ricine, a été interpellé dans l'ouest de l'Allemagne, ont annoncé dimanche la police et le parquet général de Düsseldorf. D'après les médias locaux, un deuxième homme, son frère, a été interpellé et placé en garde à vue. Le principal suspect est soupçonné d'avoir préparé un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État, mais les enquêteurs n'ont pas précisé l'état d'avancement de ces préparatifs. Durant la perquisition, aucune substance toxique n'a été trouvée dans l'appartement du suspect. Par précaution, les enquêteurs étaient équipés de combinaisons de protection en cas de contact avec du cyanure ou de la ricine, considérées comme une arme biologique. Selon le quotidien Bild, les autorités allemandes ont été averties il y a plusieurs jours par un service étranger de renseignement de la menace d'une attaque à la bombe chimique. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Les confessions du prince Harry ce matin, Vincent, son livre Le Suppléant paraît en librairie aujourd'hui dans le monde entier. Alors, le prince Harry a donné 2 longues interviews à CBS et ITV qui ont été diffusées hier soir par M6 et TF1 et vous avez regardé ça avec attention. Oui, les mémoires avaient fui comme une passoire et depuis 5 jours, la presse britannique étrille le prince. La tournée de promotion télé fait donc office de droit de réponse. Alors, comme d'habitude, les journaux se trompent. Jadis, il traquait Dirty Harry.
États-Unis alors qu'il était juste un orphelin névrosé, il le raconte à ITV. Ensuite, les journaux ont adoré le héros romantique et encore plus Meghan, divorcée, métisse. Quelle modernité cette jeunesse sans frontières, l'image glamour de la monarchie. Et l'interview de CBS nous révèle qu'il vivait un cauchemar. Ensuite, les vedettes mondiales sont parties outre-Atlantique, finies les corvées du protocole. La presse a fustigé les enfants gâtés, les imposteurs, les rapaces. Eh bien, désormais, c'est pire. Alors, Carrie prétend avoir tué 25 talibans, c'est gênant. Qu'il ait pris de la cocaïne, qu'il ait été déniaisé par une Amazone qui lui a donné la fessée, qu'il s'apitoie sur lui-même et queen de joie parce qu'il reçoit un SMS de Beyoncé, autant de fautes de goût. C'est pénible qu'il balance sur sa belle-mère Camilla ou sur la froideur de la reine Elisabeth. Mais ce qui choque le plus, c'est qu'il raconte cette battue avec son frère. Les histoires de frères doivent rester entre frères. Les cadets et les aînés le savent depuis Abel et Caïn. Harry tient beaucoup à sa vie privée, mais il aime l'étaler en 538 pages. Les Sussex sont bien partis pour remplacer le duc et la duchesse de Windsor comme couple princier le plus détesté. Vous dites, Vincent, que ce morceau de télé-réalité rend en fait un service éminent à la couronne. C'est pas évident à comprendre, ça. Oui, parce que la compassion d'abord est acquise à Charles, décrit comme un père aimant et mal à l'aise qui a su donner de bons conseils et qui supplie ses fils de ne pas faire de sa vieillesse un calvaire. On compatit aussi pour William qui se tient au lieu d'être celui qui tout le temps se plaint. Harry assistera ou pas au couronnement de son père et à l'instant où il faut succéder à une reine immensément populaire, Charles, flanqué de Camilla, décrite en arriviste implacable, peuvent se féliciter qu'un rejeton de 38 ans et toujours dans l'âge ingrat les rende aussi sympathique. Démonstration de politique. Alors Meghan démontre aussi aux Britanniques qu'ils ne sont pas américains. Elle publiera un jour à son tour ses mémoires rebelles, sans aucun doute. On verra qu'elle s'est aveuglée en s'imaginant que les Britanniques étaient des Californiens comme les autres, juste une version pittoresque et démodée. Elle n'a pas compris qu'ils tenaient à une culture faite d'autodérision, de conscience de classe, une forme de modestie, de refoulement émotionnel, un cocktail improbable de sexisme, de racisme et de morale. Le respect de traditions irrationnelles qui les accablent, mais auxquelles ils tiennent et que la famille royale doit incarner. Ce royaume est aussi complexe que sa météo. Rien à voir avec le soleil californien qui impose le culte de soi, la recherche du succès et la gloire télévisée. Les Brits font définitivement partie de la vieille Europe et tant mieux qu'ils s'en rendent compte. En matière d'environnement, les bonnes nouvelles sont rares et méritent d'être mises en lumière. Après des décennies de dégradation, la couche d'ozone, cette barrière essentielle qui nous protège des rayons ultraviolets dangereux du soleil, serait en voie de réparation. La couche d'ozone est en passe de se reconstituer d'ici à 40 ans. Dans un nouveau rapport, un groupe de scientifiques parrainé par les Nations Unies a confirmé que l'élimination progressive de près de 99% des substances interdites appauvrissant la couche d'ozone a permis de la sauvegarder, entraînant une reconstitution notable de celle-ci. Les scientifiques soulignent toutefois plusieurs points de vigilance. La commission d'experts a également examiné pour la première fois de nouvelles technologies telles que la géo-ingénierie et a mis en garde contre les impacts involontaires sur l'ozone causés par des méthodes telles que l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Grâce aux engagements compris dans le protocole de Montréal datant de 1987 et ratifié à ce jour par quasiment 200 pays, ces efforts pourraient éviter plus de 400 millions de cancers de la peau d'ici à la fin du siècle, rien qu'aux États-Unis. Et voici ce qu'a dit donc Olivia Grégoire. Écoutez. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 euros, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. Ça passe. Ah, formidable. Simplement, il y a un petit problème, c'est qu'Isabelle Nimal, patronne de deux boulangeries à Sarlat et Carsac-Ayac, eh ben, est-ce que, bonjour Isabelle bonjour. Nimal, merci d'être bonjour. Avec nous. Dites-moi, Madame Nimal, donc, est-ce que vous avez eu au téléphone, donc, Olivia Grégoire ou quelqu'un de chez elle pour lui dire, voilà, alors, on a examiné, on a regardé et on a agi? Alors, Madame Grégoire, non, je ne l'ai pas eu au téléphone. Elle dit on
Donc elle commence par dire elle, puis après elle dit on a regardé ses factures, en aucun cas personne de son cabinet n'a regardé mes factures. Mmh. J'ai eu en toute transparence Pierre de Romanet au téléphone qui est un de ses conseillers. C'est moi qui l'ai appelé et c'était pas pour l'étude de ma facture. Ah oui, c'est vous qui l'avez appelé. C'est vous qui l'avez appelé. Oui, c'est d'accord. Moi qui l'ai appelé, mais en aucun cas pour l'étude de ma facture. D'accord. Alors oui, il a essayé de me parler des aides, mais en fait, comme on a monté une page Facebook et une association et qu'on aide les artisans dans le désarroi le plus total en leur expliquant les aides mises en place, je lui ai dit qu'en fait, ces conseils, je n'en avais pas besoin. Donc en fait, c'est du mensonge. Mais alors dites-moi, est-ce que vous êtes passé, est-ce qu'on vous a assuré, vous êtes passé de 90 000 euros à 37 000 euros ? Alors du tout, parce que non plus. Ouais. Non plus. Ça, c'est des chiffres qui ont été repris dans un article qui a été fait début décembre, parce qu'en fait, EDF m'avait fait une proposition de tarif à 63 000 euros pour un de mes compteurs. Ouais. Voilà. Et en fait, elle a repris, parce qu'ils ont, quand j'avais Monsieur de Romanet au téléphone, il est allé voir sur ma page Facebook, et c'est des chiffres qui sont complètement erronés, en fait. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, justement? Et vous êtes beaucoup, beaucoup de vos confrères, de vos consoeurs, qui soient boulangers, restaurateurs, artisans, ont la même réaction, justement, passer de 22 000 à 90 000 euros. Vous, ça vous fait quoi, en dehors, évidemment, de ce que ça fait matériellement? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va aller à la crise, une crise sans précédent au niveau de l'artisanat, On avait annoncé 500 fermetures au 31 décembre, on est à 496. On imagine 19 000 pour la fin de l'année 2023. Quand on nous dit qu'on est le poumon de la France, là, ils sont en train de se couper leur respiration, puisqu'en fait, ils vont faire mourir tout le monde. Ce n'est pas possible. Et en fait, là, ils annoncent une nouvelle aide. 280 euros maximum. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est mégawattheure sur une moyenne de consommation annuelle pondérée. Aujourd'hui, moi, avec cette explosion de mes tarifs, qui fait x4,25 sur ma consommation, de 6 000, je passe à 24 000, je suis à 225 de moyenne pondérée. Donc, quand ils annoncent 280, personne ne pourra supporter ça, en fait. Oui, bien sûr. Politique en France maintenant, et c'est aujourd'hui que le gouvernement présente devant le Parlement une réforme déjà contestée par l'opposition, celle des retraites et notamment du report de l'âge légal de départ. Du côté des syndicats, on dénonce un texte qui affecterait surtout les plus modestes. En fait, je suis dans la rue parce que j'aimerais bien payer mes factures dignement, d'accord? Je suis le seul emploi de ma famille, ok? J'aimerais pouvoir payer juste mes factures dignement, c'est tout ce que je demande, rien d'autre. C'est pas grand-chose, je demande pas une Porsche à Noël, quoi, tu vois. Je demande juste payer mes putains de factures dignement. Pas être en train d'avoir le stress d'ouvrir cette putain de boîte aux lettres, quoi, d'accord. Pour trimer, j'ai 52 balais, je vivais mieux quand j'avais 20 ans que maintenant 52 balais, quoi, d'accord. C'est un truc de ouf quand ils pensent, quoi, tu vois ce que je veux dire. Vous plaint, vous les jeunes de banlieue, tout ce que vous voulez, quoi, c'est... Chaque jour ou presque, le président de la République assure sa communication, peaufine son image, c'est son rôle et c'est aussi son intérêt. Chaque président a fait la même chose. Et tous les moyens sont bons pour donner de soi le meilleur profil. Mais quand il ne reste plus que la com, quand on a le sentiment qu'elle prend le pas sur l'action, quand on devine qu'un président ne pèse plus sur le réel mais se contente d'épouser au fil des jours les demandes du public, évidemment, cela interroge. Emmanuel Macron, le président tout com, c'est une question qu'on ne saurait éluder. Est-ce que c'est le rôle de Brigitte Macron de parler des débats qui sont en cours aujourd'hui, de ces grands débats qui sont des choix de politique et de société? Bon, en tout cas, les conseillers disent que normalement, elles ne se mêlent pas de la vie politique. Ouais, c'est un nouveau rôle parce que précédemment, même s'il n'y a pas de statut de première dame en France. Ouais. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à ce que la femme du président de la République prenne la parole. Vous avez jamais entendu Madame Chirac parler de politique ou Carla Bruni. Alors maintenant, je pense et je suis d'accord avec Lydia que ça dénote une certaine nervosité parce qu'en fait, ce qu'elle a fait hier soir aux 20h,
Elle avait fait différemment, Madame Macron, il y a quelques jours également, où elle était montée au créneau pour défendre la politique de son mari, en expliquant que est-ce qu'il y avait un pays dans lequel on était mieux traité, qu'on avait plus d'aide lorsqu'on traversait des crises que la France. Donc le fait qu'elle le fasse, je pense que peut-être qu'elle trouve que c'est injuste les attaques dont est victime son mari, mais en tout cas oui, ça dénote d'un état de nervosité qu'il faut peut-être mettre en face de ce que va annoncer Elisabeth Borne tout à l'heure, la réforme des retraites, et de la crise sociale qui peut en découler. Juste trois chiffres, Patrick, pour qu'on se rende compte quand même de quoi on parle. Dans les années 90, il fallait 37 ans et demi d'annuité. Ça faisait 140 trimestres. Aujourd'hui, il en faut 168. Bientôt, il en faudra 172. On est passé de 140 trimestres à cotiser pour avoir une retraite à taux plein, à sans doute, avec l'annonce de Madame Borne, à 172 en 30 ans. Vous voyez, c'est considérable. Ouais. C'est quand même considérable, 32 trimestres en plus. Bon, alors on peut estimer, on va voir comment elle va traiter la question de la pénibilité, de l'emploi des seniors, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même marquant. Donc avoir des jeunes qui disent « je suis pas certain d'avoir une retraite », bah ça s'entend, parce que ou alors vous allez avoir votre retraite à 70 ans, à 72 ans, enfin c'est pas pensable. Oui. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci.